Donc c'est la 8e édition, le salon de l'entreprise démarre sur les chapeaux de roue, on peut dire, puisque la commercialisation est lancée, les entreprises ont déjà répondu, on a maintenant un grand nombre d'entreprises qui sont déjà re-signées pour s'inscrire pour ce salon qui aura lieu le 11 octobre. Nous avons choisi le thème de l'humain et donc des ressources humaines au sein de nos entreprises pour cette nouvelle édition. On voit bien qu'un grand nombre d'entreprises ont des difficultés à recruter. Beaucoup de chefs d'entreprise sont face à ce problème. Le taux de chômage baisse. Il faut rappeler que sur le Beaujolais, il est quand même à 6,8%, ce qui est bien en dessous des moyennes nationales. Et donc, les entreprises doivent anticiper. Donc, anticiper, ça veut dire former ses collaborateurs, leur offrir un certain nombre d'avantages qui puissent faire en sorte qu'ils restent sur le territoire et dans l'entreprise. Et puis, également, anticiper, ça veut dire aussi sur le recrutement, anticiper, ne pas attendre d'avoir des départs à la retraite ou voire même malheureusement des démissions. Et puis l'apprentissage, l'alternance sera aussi au cœur de ce salon puisque l'alternance est un outil important. Ça prend un peu de temps à l'entreprise, mais en retour sur le recrutement à venir, c'est toujours très favorable.